Mesdames, Messieurs les congressistes, Mesdames, Messieurs les chefs traditionnels, Mesdames à vos grands degrés de qualité, qu'est-ce que moi j'apporte, le FDL apporte aux Nouveau-nés? Nous apportons trois choses. La première, la sagesse. La seconde, la force. Et enfin, la beauté. Je voudrais tout simplement dire que, dès le commencement, vous avez placé Dieu devant. Et ça prouve que vous maîtrisez la sagesse. Toutes les luttes au Togo ont échoué parce que nous n'avons pas mis Dieu devant. Et cette fois-ci, les forces démocratiques pour la République nous ont donné l'exemple pour dire désormais Dieu d'abord et le reste suivant. Pourquoi la force? Eh bien, vous l'avez déjà exprimé, la force de la jeunesse, bien sûr, sur la bannière, sous la coupole, sous le parapluie du grand Dieu, je suis persuadé que nous allons les utiliser sans pouvoir faire du mal à quelqu'un, mais pour arracher la liberté au peuple togolais. Monsieur le Président, je voulais parler de la beauté. Je sais que le combat politique est un combat très difficile, mais je voudrais tout simplement réitérer une demande. Il arrivera un moment où vous serez en face d'une force politique de l'opposition. Peut-être c'est pour les élections législatives ou les élections locales, voire même présidentielles. Je voudrais à ce que la sagesse préside. Le FDL, Front Démocratique Libéral, voudrait vous dire, si demain, il s'avère que vous et nous, nous nous trouvons dans ce combat politique, nous allons utiliser la sagesse pour le bien du Togo. J'ai dit.